Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Camidus. Aujourd'hui, pas de vidéo, ce sera un unboxing d'un jeu d'occasion que j'ai reçu ce matin. Donc, un échange avec un membre d'un forum, donc d'un forum bien sûr de la communauté de jeux vidéo. Donc voilà, je remercie vraiment cette personne pour cet échange. Bien sûr, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je ne vais pas dire son pseudo ni le nom du forum en question parce que je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si voilà, je ne sais pas si ça peut se faire. Voilà. C'est toujours pareil si jamais on me dit non, non, faut pas donner des noms, etc. Bon, voilà. Au moins comme ça, je me prends pas la tête. Donc là, vous voyez, c'est super bien protégé. Il avait mis à la fois des espèces de des copeaux de papier, une grosse feuille de papier bulle qui cale et tout. Et bon, là, vous voyez ce que c'est. Donc Metal Gear sur NES, hein, un jeu Konami. Bah, depuis toujours, de toute façon, c'est Konami qui ont développé les jeux, hein. Et encore, regardez encore dans le fond ce qu'il a mis. Vraiment, il m'a fait un super truc, quoi. Vraiment, je te remercie, mon pote. Hein, vraiment, il y a un petit lit vraiment bien douillet, moi je vous le dis. Hein. Non, non, quand on a affaire comme ça à des collectionneurs passionnés de jeux vidéo, bah, comme moi, franchement, on ne peut que s'entendre, quoi. Donc tout d'abord, avant d'ouvrir la boîte, excusez-moi, je tremble. Puis en plus de ça, c'est avec mon smartphone, donc c'est pas terrible. Donc, on montrait quand même l'état de la boîte, qui est vraiment. Moi, je considère que, bon, moi qui chipote, c'est une boîte. Moi, pour moi, je dirais en très bon état. Pour moi, l'usure qu'on voit un tout petit peu, le blanc, les petits trucs comme ça, c'est. Pour moi, ce n'est que du superficiel, surtout vu l'âge du jeu. Hein. Je ne sais plus. Attendez voir. J'essaie de voir. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien. 88. Hein. On est quand même en 2014. Plus précisément en août 2014. Et le jeu date de 88. Alors, avoir ce jeu-là en complet, mais vraiment archi complet, quoi. Ça tient presque du miracle quoi. Donc c'est pour ça que je pense que les gens il faut qu'ils arrivent à relativiser entre le fameux Mint, Near Mint, gna machin. Il n'y a pas besoin d'avoir du comme neuf, ça reste exceptionnel de trouver un jeu de cet âge-là en complet. J'aurais même déjà été très content s'il avait été uniquement en loose, c'est-à-dire bah, juste la cartouche, pas de boîte, pas de notice. Mais là, bon, l'occasion, ça y est. Voilà, regardez le couvercle. Le couvercle, quand même, il tient encore le coup. Les languettes, elles sont un peu. Voilà, elles sont un peu molles, mais bon, ça c'est normal, hein, ça c'est à force de. J'y retire comme ça, parce que c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas simple. D'une main. Comme vous pouvez voir, le sticker de la cartouche est vraiment en super état. C'est vraiment. Voilà. Donc je suis vraiment très très content. Très très content. Donc dedans, il y a bien évidemment donc l'étui plastique. Il y a évidemment la notice. Là, la notice, je peux vous dire. Ah ouais, quand même. C'est vraiment comme neuf, quoi. La cartouche et la notice sont vraiment comme neuf, quoi. C'est vraiment super. Dedans. Dedans, il y a la cale polystyrène. Oh, putain. Voilà, c'est vraiment un jeu génial. Je pense que je vais vraiment bien m'amuser. Et franchement, voilà, je recommande totalement ce jeu. Je le connaissais déjà, je veux dire, il y a longtemps. J'y avais joué il y a vraiment plusieurs années. Mais je pense que ça va me faire tout drôle parce que quand même, un jeu qui a quand même. Je compte vite fait là, je sais plus là.
c'est pas possible. Ah la vache, c'est un jeu qui a quand même 25 ans, quoi. Enfin bon, c'est vrai que le temps passe vite, hein, on se rend pas compte. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est une première partie comme ça de ma collection, en vous montrant ce jeu-là, je vous montrerai d'autres jeux à l'occasion. Donc bah voilà, je vous dis, passez une bonne journée, bonne continuation. À bientôt pour de nouvelles vidéos et mes articles sur mon blog Old School Game. Universe.blogspot.fr. Donc voilà, bon, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.